إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence un nouveau livre inshallah, et le titre de ce livre c'est Al-Mu'in li tawdih ma'ani athar ibn Sirin in hadha al-ilm din. C'est-à-dire qu'est-ce qui nous aide à clarifier les significations de la narration ou la parole de Ibn Sirin lorsqu'il a dit in hadha al-ilm din. فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ. C'est-à-dire, cette science, cette parole qu'il a mentionnée dans le titre, c'est seulement le début de la citation de l'imam Ibn Sirin. إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينَ. C'est-à-dire, cette science, certes, c'est une religion, c'est ta religion en fait. Alors, prenez garde ou vérifiez de qui vous prenez votre religion. C'est ce que ça signifie. Donc, ça, c'est la suite de cette citation. Et puis, donc c'est un livre qui clarifie et qui mentionne donc qui clarifie les différentes significations de cette parole et tout ce qu'elle peut impliquer. Donc on va lire ce livre là ensemble. C'est un livre assez intéressant, très très bénéfique, et ça va nous aider quand même à comprendre beaucoup de choses, surtout par rapport à qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, comme le cheikh il le mentionne lui-même dans l'introduction, par rapport à tout ce qui se passe maintenant aujourd'hui dans les chaînes satellites par rapport à l'islam, les gens qui parlent au nom de l'islam ou qui parlent de l'islam dans les chaînes télévision et tout, et les gens parfois les prennent comme des ulama ou pensent que ce sont des ulama et ils ne réalisent pas que en fait ce sont pas nécessairement des ulama, mais les gens ont tendance à élever les autres. Et la même chose aussi, on peut le retrouver en France, ou bien on peut le retrouver ici au Canada, aux États-Unis, en Europe en général, et dans d'autres pays, même dans certains pays musulmans aussi, là où il n'y a pas vraiment une clarification au sujet des ulama, qui ils sont, les gens peuvent prendre des ignorants comme étant des ulama et les élever à des niveaux qu'ils ne méritent pas, et puis ça c'est un grand danger en fait, parce que en fait qu'est-ce que ça fait comme résultat? Ça fait que les gens se détournent des vrais ulama par la suite, et donc par la suite, comme on va le voir dans le livre, la science elle disparaît, la science elle part, parce que les ulama meurent, et donc la science qu'ils amènent, la science qu'ils portent en eux part avec eux s'ils ne l'ont pas transmise. Donc ça c'est très important de le comprendre. Et ça, comme je disais, on a vu apparaître à travers les siècles, mais à notre époque encore plus qu'avant, des gens qui exagèrent ou qui élèvent des individus au-dessus des ulama. Et vous allez voir donc à travers ce livre, inshallah, des explications, des clarifications qui vont vous aider justement à savoir de qui vous devez prendre votre religion et à qui retourner lorsque vous avez des questions.
طيب. Donc on commence. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider donc dans la compréhension et dans la traduction des paroles du Cheikh Ahmed Bazmoul, qui est l'auteur de ce livre, et en même temps on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la sincérité et aussi d'accepter nos œuvres, nos bonnes œuvres, et aussi yani, de nous faire profiter de la meilleure façon des connaissances dont on va profiter maintenant, inshallah. Donc, Cheikh Ahmed Bazmoul commence avec Khutbatul Haja, puis ensuite il dit Amma ba'd, فهذه رسالة في شرح قول الإمام الرباني محمد بن سيرين الأنصاري إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم وهي مقولة مشهورة اعتبرها أهل العلم من أهم قواعد طلب العلم بل من أهم قواعد الدين الإسلامي لبيانها التمييز بين من يؤخذ منه العلم ومن لا يؤخذ منه العلم. Le Cheikh, il dit donc que cette risala, c'est une risala qui explique, hein, c'est un livre qui explique la parole de l'imam al-Rabbani Muhammad ibn Sirin al-Ansari. Et cette parole, c'est, lorsqu'il a dit, cette religion, c'est une science. Cette science, c'est une religion. Alors, vérifiez de qui vous prenez votre religion. Et c'est une parole qui est très célèbre. Et les hommes de science, c'est-à-dire les ulama, on considérait cette parole comme étant une des règles les plus importantes dans la quête de la science. Même qu'ils l'ont considérée non seulement comme étant une des règles les plus importantes dans la quête du savoir, mais également ils l'ont considérée comme étant une des plus importantes parmi les règles de la religion islamique. Pourquoi ? Parce qu'elle clarifie elle clarifie qu'il faut distinguer entre de qui on prend la science et de qui on ne prend pas la science. ولما كان هذا الأثر بهذه المنزلة العظيمة عند أهل العلم شرعت في شرحه وبيانه بذكر الأدلة من الكتاب والسنة وآثار السلف ومن تبعهم بإحسان على ما تضمنه من المعاني والحكم أو من المعاني والحكم. Donc, ça serait plutôt al-hikam. Bon, ici le Cheikh il dit, étant donné que cette parole est là une importance si grande pour les hommes de science, alors j'ai décidé de la clarifier, de l'expliquer, en mentionnant les preuves du Coran et de la Sunna, ainsi que les paroles des salafs et de ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, pour clarifier ce que cette parole contient comme signification et comme règle. Donc ça c'est l'introduction en fait du Cheikh qui nous explique les raisons pour lesquelles il a décidé d'écrire ce livre. Il dit tasmiyatu ar-risala wa qad sammaytu hadhihi ar-risala bi al-mu'in li tawdih ma'ani athar ibn athar al-imam ibn Sirin in hadha al-ilm din. Cheikh il dit j'ai nommé ce livre al-mu'in, c'est-à-dire qu'est-ce qui aide لتوضيح معاني أثر ابن الإمام ابن سيرين qui clarifie les significations de la parole de l'imam ibn Sirin. Athar, c'est le terme qu'on utilise pour désigner les paroles des salafs. Donc quand on parle des paroles par exemple des sahaba ou des tabi'in, quand c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit que c'est un hadith, on dit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on parle des paroles des sahaba ou des tabi'in ou des imams des salaf, des tabi'in, on dit une athar, c'est-à-dire une parole qui a été transmise, une narration, ainsi de suite. Mais sinon, linguistiquement, athar, c'est-à-dire une trace, quelque chose qui a été laissé. Donc, on dit athar salaf, ou bien le pluriel, c'est athar. Donc ça, c'est pour nous clarifier cette parole de l'imam Ibn Sirin. L'imam Ibn Sirin, Inch'Allah, le Cheikh Ahmed Bazmoul, hafizahullah, il a fait une petite biographie de l'imam Ibn Sirin dans le début du livre,
Donc, Inch'Allah, on va passer, lorsqu'on va commencer donc, le livre, on va sûrement passer sur cette biographie, Inch'Allah. Donc, vous allez pouvoir savoir un peu plus en détail qui était cet imam, l'imam Ibn Sirin. Et en note de bas de page, juste après avoir mentionné le titre, le Cheikh Ahmed Bazmoul, il dit « Wa hiya mukhtasaratun min sharhi al-kabir ala hadha al-athar wa ikhtasartuha لتعم بها الفائدة خاصة لعموم الناس الذين ابتلوا في هذه الأيام بمتابعة كل من ظهر عبر وسائل الإعلام سواء مسموعا أو مرئيا أو مقروءا دون تمييز بين من هو أهل لأخذ العلم منه ومن لا يجوز أخذ العلم منه مخالفين في ذلك منهج السلف من في تلقي العلم عن أهله الموثوق بعلمهم ودينهم Donc, le Cheikh, il dit que c'est un résumé, ce livre qu'on va lire maintenant, c'est un résumé de son charh qui est plus grand, il est plus élaboré. Donc, en fait, il a déjà écrit un livre qui explique cet athar, qui est plus volumineux, hein, un livre plus volumineux à ce sujet-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a résumé. Et donc, ça, c'est un résumé de ce livre. Et il l'a résumé pour que le bienfait et pour que les gens en général en profitent. Hein? En particulier les gens, le commun des musulmans qui ont été éprouvés de ces temps-ci, justement, par le fait de suivre toute personne qui parle dans les médias. Que ce soit dans les médias écrits ou les médias visuels ou bien les médias c'est-à-dire les audios, qu'est-ce qu'on entend. Et ils ne font pas de distinction entre les hommes de science de qui on doit prendre leur connaissance et ceux dont on ne doit pas prendre la science. Et ils contredisent, en agissant de cette manière, ils contredisent la voie des salafs hein, dans les règles de qu'est-ce qui concerne de qui on prend notre science et du fait qu'on doit prendre notre science uniquement des hommes de science qui sont des hommes de confiance, hein, les hommes au sujet desquels on a confiance en leur science et en leur religion, et ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que ce soit bénéfique. Ensuite, il dit وَجَعَلْتُ الرِّسَالَ فِي مُقَدِّمَةٍ وَتَمْهِيدٍ وَأَرْبَعَةِ مَقَاسِدٍ وَخَاتِمَةٍ وَفَهَارِسَ فَنِّيَّةٍ فَأَذْكُرُ فِي الْمُقَدِّمَةِ حُدْبَةُ الْحَاجَةِ خطبة الحاجة وسبب تأليف الرسالة وتسمية الرسالة والخطة التي سرت عليها في الرسالة. Donc Cheikh Ahmed Bazmoul, tout comme le Cheikh Mohamed Bazmoul, le frère de Cheikh Bazmoul, sont des mashaykh, mashallah, qui sont très précis dans leur façon de faire, et lorsqu'ils écrivent ils expliquent toujours leur méthode et les démarches qu'ils ont suivies dans leur écrit, etc. Donc, ils expliquent par exemple qu'il a composé ce livre en écrivant une introduction, puis une préface, puis ensuite il y a quatre points fondamentaux qui sont abordés, puis une conclusion, puis une table des matières à la fin. Il dit فَأَذْكُرُ فِي الْمُقَدِّمَةِ خطبة الحاجة وسبب تأليف الرسالة وتسمية الرسالة. Il dit, au début, j'explique dans l'introduction la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, le nom, pourquoi j'ai donné ce nom-là à ce livre, et il y a une petite explication, par exemple, de comment est divisé le livre, comme une sorte de plan, hein, comment il a divisé les chapitres du livre. Il explique, il dit وَأَذْكُرُ فِي التَّمْهِيدِ أَهَمِّيَةُ الْمَوْضُوعِ وَتَرْجَمَةُ الْإِمَامِ إِبْنُ سِيرِينَ. Dans la préface, il explique l'importance du sujet et la biographie de l'imam Ibn Sirin. الْمَقْصَدُ الْأَوَّلُ تَخْرِيجُ الْأَثَرُ وَذِكْرُ مَنْ نُقِلَ عَنْهُ نَحْوَ قَوْلِهِ. Il dit, donc dans le premier point que j'aborde parmi les quatre points, c'est que j'ai fait le tahrij de cette parole. Tahrij, c'est-à-dire il mentionne dans quel livre on peut retrouver cet athar et c'est quoi les références, et il mentionne également d'autres parmi les ulama de qui on a mentionné une parole semblable.
Et dans le point numéro 2, al-marsad al-thani, al-dalil min al-kitab wa sunnah ala ma'na al-athar. C'est-à-dire les preuves du Coran et de la sunnah au sujet de la signification de cet athar. C'est-à-dire cette parole de l'imam Ibn Sirin, elle est supportée par des preuves du Coran et de la sunnah, et c'est ça ce que le cheikh explique dans ce deuxième point-là. المقصد الثالث ما تضمنه قول الإمام ابن سيرين من المعاني والفوائد. Ce que la parole de l'imam Ibn Sirin contient comme signification et comme point important ou bénéfique. Et parmi ces exemples, il en mentionne plusieurs. Premièrement, تعريف العلم بيان المقصود من العلم وحكم تعلمه. Donc premièrement, le premier point, c'est dans ce troisième point-là, il explique la définition de l'ilm en arabe, dans l'islam, qu'est-ce que c'est, dans la langue et dans la religion, qu'est-ce que c'est, quand on parle de ilm, on parle de quoi, et qu'est-ce qu'on veut dire, donc, à propos du mot ilm quand on l'utilise, et quel est le verdict au sujet de l'apprendre, cette science. Est-ce que c'est obligatoire, est-ce que c'est recommandé, ainsi de suite. Bah, حرمة الكلام في مسائل العلم إلا بالحجة والبرهان. Donc l'interdiction de parler au sujet des questions au sujet du ilm ou dans les questions de ilm excepté avec une preuve. Le troisième exemple ou troisième point, القول على الله بلا علم وقول لا أعلم. C'est-à-dire il explique qu'est-ce qui a rapport avec le fait de parler à propos d'Allah sans science et le fait de dire Allahu a'lam ou de dire je ne sais pas plutôt de dire je ne sais pas. وجوب le point ensuite c'est وجوب الاختيار والانتقاء للمشايخ الذين يتلقى منهم العلم. L'obligation de choisir et de يعني de faire un tri entre les mashayikh de qui on prend notre science. C'est-à-dire on choisit, on prend pas de n'importe qui. Ensuite, التمييز بين المتصدرين للعلم. C'est-à-dire de distinguer entre ceux qui se mettent de l'avant, pour parler de la science. Des fois, il y a des gens qui se mettent de l'avant pour donner des cours ou pour enseigner ou pour parler de la religion, et ce ne sont pas nécessairement eux qui méritent cette place. Et ensuite, un autre point, c'est من هم العلماء الذين يؤخذ عنهم العلم. Qui sont les ulama de qui nous devons prendre la science. L'autre point ensuite, c'est man alladhina la yu'khadhu minhum al-'ilm, qui sont ceux dont on ne prend pas la science. Yastawi fi tahrim akhdh al-'ilm minhum as-sama' wal-hudur wal-qira'a was-suhba wa ayy naw'in min anwa' at-talaqqi wal-khulta. Donc il dit que c'est équivalent. Les choses suivantes sont équivalentes dans l'interdiction de prendre la science de ces individus-là, et il explique les différentes catégories ou les différentes sortes d'apprentissage, en fait les différentes façons dont on peut acquérir de la science de quelqu'un, comme par exemple as-sama', c'est-à-dire le fait d'entendre de la personne, al-hudur, c'est-à-dire d'être présent, d'assister à des cours ou des choses comme ça, d'être à la présence de la personne, al-qira'a, c'est-à-dire tu lis à la personne, ou bien al-suhba, c'est-à-dire d'accompagner cette personne. Donc toutes ces catégories-là ou ces différentes façons sont équivalentes. Lorsqu'on dit qu'on ne peut pas prendre la science d'un individu ou de quelqu'un, eh bien ça implique toutes ces différentes façons-là de prendre la science. Et le quatrième point, c'est al-shubuhat wa rudud. Shubuhatun wa rudud. C'est-à-dire, il y a des doutes ou des ambiguïtés qui sont utilisées de la part de certains à ce sujet-là pour essayer de mettre des shubuhat, et les réponses à ces shubuhat. Parce que c'est étonnant parfois justement de constater que il y en a des gens qui, la façon dont ils parlent, on a l'impression que il faudrait prendre la science de n'importe quelle personne du moment qu'il parle de religion, qu'il parle de l'islam, comme si on dirait que pour eux, ça y est, c'est un signe qu'on est obligé ou qu'on doit prendre notre science de cette personne,
par le simple fait qu'elle elle donne des cours ou qu'elle parle de religion. Hein? Et je me souviens personnellement même d'un frère une fois qui voulait me faire entendre une parole un cours d'un individu. Et moi, je savais très bien que cet individu-là était un égaré, c'était un parmi les khawarij de notre siècle. Et lui, il voulait m'inciter à l'écouter. Et il me disait, écoute-le, regarde, écoute, qu'est-ce qu'il dit? Il dit rien de lui-même, c'est « قال الله قال رسول الله » hein? Soi-disant, comme ils disent tout le temps. Et moi, qu'est-ce que je lui ai répondu? Je lui ai dit, je ne lui fais pas confiance dans ma science. Et lorsqu'on n'a pas confiance en quelqu'un, on n'a pas à apprendre notre science de lui. Et le prophète, c'est pas le prophète, mais l'imam Ibn Sirin, il a indiqué ça, justement, dans cette parole. Inna hadha al-ilm din. Et ça, c'est une des premières choses que j'ai apprises. Hein. Alhamdulillah, lorsque je me suis converti à l'islam, il m'a toujours dit, lorsque tu vois quelqu'un et que tu n'as pas confiance en lui, tu vois en lui, hein, des choses qui t'indiquent que tu ne dois pas prendre ta science de cet individu-là, eh bien, tu prends la science de qui tu fais, des gens en qui tu as confiance parmi les ulama, et non pas de n'importe qui. Donc ça, c'est un point très important, Inch'Allah. Et même des fois, j'étais à des frères, parce que il y en a des fois qui sont... Il y en a des frères, parfois, par exemple, on donne des cours sur l'islam. Et il y a certaines personnes, par exemple, ils sont à l'aise pour écouter un parmi les frères, parmi les toulab al-ilm, ils le préfèrent à d'autres. Et il y en a qui préfèrent écouter un autre talib al-ilm par rapport à un autre. Et yani, les deux sont corrects, les deux sont yani, sur le Coran et sur la Sunna, et ils suivent la voie des salafs et la compréhension des salafs. Mais certaines personnes ont plus d'affinité à écouter un individu en particulier qu'à en écouter un autre. Pas parce que la personne en elle-même a des problèmes, ou parce qu'on ne peut pas prendre la science de cet individu-là, mais simplement parce que on n'est pas attiré, ou on préfère la façon d'expliquer ou la façon de présenter d'un shirk par rapport à un autre, ou un talib ilm par rapport à un autre. Et dans des cas comme ça, c'est pas un problème. Donc, hein, il faut dire à certains parfois, écoutez, si vous ne voulez pas écouter tel individu, ou si quelqu'un, par exemple, il n'aime pas écouter, par exemple, Sulayman, Al-Haïti, ou des choses de ce genre, vous pouvez écouter quelqu'un d'autre. C'est pas quelque chose qui cause un problème. Les gens ne sont pas tous obligés d'écouter la même personne. Hein. Du moment que la personne de qui on prend notre ilm est, Inch'Allah, avec une bonne aqidah et un bon manhaj, et ainsi de suite, et qu'elle est apte à expliquer, à clarifier les choses correctement. Donc, alhamdoulilah. Mais, le problème, il arrive lorsque quelqu'un a des problèmes ou des contradictions ou des erreurs dans son manhaj ou dans sa aqida et qu'il suit une voie qui est incorrecte ou qui est déviée. Dans ce cas-là, il faut se méfier. Mais de toute façon, alhamdoulilah, tout ça, ça va être expliqué au cours du livre. Le dernier point, c'est la conclusion du livre. Il dit wa azkuru fil khatima aham al maqasid allati ishtamalat alayha al risala. C'est-à-dire, je mentionne dans la conclusion les points les plus importants qui sont compris dans cette risala. Il fait comme un genre de résumé des points les plus importants. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'il a mentionné. Donc, comme je disais il y a quelques instants, c'est ça. Il y a des fois certains individus, ils aiment par exemple écouter Cheikh Ibn Uthaymeen, et ils aiment sa façon de parler, ses explications, son style, sa façon d'expliquer les choses. Et il y en a d'autres parmi les gens qui préfèrent Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Aziz Ibn Baz. Hein? Il y en a d'autres qui vont préférer par exemple Cheikh Mohammed Nasruddin Al-Albani. Et ils aiment beaucoup sa façon, sa méthode d'enseignement. Il y en a d'autres qui vont préférer, par exemple, Cheikh Mohamed Aman. Chaque personne, yani, tout ça, c'est des grands ulama et des imams. Et chacun d'entre eux, il a un style dans sa façon d'enseigner. Comme par exemple, Cheikh Al-Fawzan, il a son style, il a sa façon d'expliquer, de clarifier les choses. Et il y en a qui préfèrent sa méthode à d'autres. Tous sont des ulama de la sunna. Hein?
Donc, alhamdoulillah, si quelqu'un préfère le style d'un des un parmi les ulama, comment il explique les choses, hein, du moment qu'il prend des ulama, eh ben c'est ça l'important. Hein. Et yani, même parmi les imams des salafs, il y en a certains parmi eux qui ont plus d'affinité à apprendre de certains d'entre eux que d'apprendre d'autres. Hein. Par exemple, l'imam Ibn al-Qayyim, il a accompagné l'imam Ibn Taymiyyah pendant des années. Et il a été son compagnon, il a étudié de lui, de son cheikh pendant des années. Alors que probablement qu'il a étudié avant et après avec un grand nombre de ulama. Mais il a trouvé de l'imam Ibn Taymiyyah des choses qu'il n'a pas trouvées en d'autres. Et par exemple, cheikh Abdelaziz Ibn Baz, rahimahullah, yani, il a accompagné le cheikh Mohammed ibn Ibrahim, l'ancien mufti de l'Arabie Saoudite. Il l'a accompagné pendant 40 ans de sa vie. Et il restait avec lui, il l'accompagnait là où il allait, hein, et il a appris de lui beaucoup de sciences. Donc, certains ont des affinités à apprendre d'un cheikh plus que d'apprendre d'un autre, mais malgré tout, alhamdoulilah, ça ne veut pas dire qu'il ne prend pas des autres en même temps, hein, ou qu'il n'aime pas les autres. Donc ça, c'est juste un petit point en passant comme ça, juste pour faire une note, parce que des fois, certains, ils s'inquiètent lorsque quelqu'un n'aime pas écouter ses cours. Il y en a des individus, parfois, si quelqu'un n'aime pas écouter ses cours, ils s'inquiètent de ça, et ils font de la jalousie avec les autres. Ça, c'est quelque chose qui est malheureux, malheureusement. Yani, Allah musta'an. Donc, le Cheikh dit ensuite, Wallahu as'alu an yakuna hadha al-amal, Wallahi as'alu an yakuna hadha al-amal khalisan liwajhihi al-karim, wa an yataqabbalahu minni wa an yanfa'ni bihi yawma la yanfa'u mal wala banun, إلا من أتى الله بقلب سليم وأن يرزقني القبول في الدارين إنه قريب سميع الدعاء. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que ce travail soit pur et sincèrement pour son visage, son noble visage, et qu'il l'accepte de ma part et qu'il le rende bénéfique pour moi au jour, dans le jour où aucun bien ni enfant ne sera profitable, excepté celui qui vient à Allah avec un cœur propre, propre, c'est-à-dire salim, et qu'il me donne comme risque le fait que je sois accepté dans cette dunya et dans l'au-delà. Et il est certes proche et il exauce les invocations. Et c'est écrit par le docteur Abu Omar Ahmad ibn Omar ibn Salim Bazmoul. Et il est professeur à l'université Umul Qura à Makkah al-Mukarrama. Hein, et c'est le frère du cheikh Mohamed Bazmoul. Hein, c'est le petit frère du cheikh Mohamed Bazmoul. Et le cheikh Ahmed Bazmoul, hein, c'est un des cheikhs qui est connu parmi les ulama. Et il a la tazkiya d'un nombre, un grand nombre parmi les mashaykhs qui ont témoigné de sa science et de son savoir. Et entre autres, Cheikh Rabi al-Madkhali et son frère lui-même, son frère à lui aussi, le Cheikh Mohamed Bazmoul. Hein, et beaucoup d'autres d'entre les ulama également. Donc c'est ça. Donc on va commencer, Inch'Allah, avec la préface. Et dans la préface, il y a beaucoup de points très très importants et très intéressants, et vous allez voir que le cheikh, il a rempli son livre de citations des ulama et des salafs. Donc c'est un livre vraiment, c'est comme une perle. Lorsqu'on le lit, on est vraiment content. Il est rempli de perles et de joyaux. Donc, il commence et dit « Tamhid, ahamiyatul mawdou, l'importance de ce sujet. Tazharu ahamiyatul mawdou fil umur al-taliya. Al-amru al-awwal, anna allaha qad amarana bit-tafaqquhi fid-din.
ومعرفة أحكامه التي نحتاج إليها في يومنا وليلتنا كما قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون قال الشيخ السعدي أي ليتعلموا العلم الشرعي ويعلموا معانيه ويفقهوا أسراره وليعلموا غيرهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم مما أمرنا الله به سؤال أهل العلم حيث قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ففي هذه الآية أمرنا الله بسؤال أهل العلم دون غيرهم donc le cheikh explique il mentionne le verset il explique premièrement pourquoi ce sujet là est tellement important pourquoi le sujet de qui on doit prendre notre science est très important c'est parmi les points qu'il a mentionné le premier point c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'apprendre la science et de chercher la compréhension de la religion et la connaissance des règles de la religion et en particulier les règles dont on a besoin dans nos jours et dans nos nuits tout ce qui a rapport avec notre vie c'est nécessaire pour nous de connaître toutes ces règles là donc à cause de ça c'est très important de savoir de qui on doit prendre notre science et il cite le verset 122 dans Sourate At-Tawbah dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit les croyants n'ont pas acquitté tous leur foyer pourquoi de chaque camp quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde donc ça c'est un verset qui nous incite à la science et à l'apprentissage et le cheikh il mentionne les paroles de l'imam al-Sa'di dans son tafsir le tafsir Taysir al-Karim al-Mannan à la page 355 l'imam al-Sa'di il explique ce verset là il dit que les gens donc ils doivent apprendre le ilm shar'i apprendre ses significations pour comprendre ses secrets et pour qu'ils puissent enseigner aux autres et pour qu'ils puissent avertir leur peuple lorsqu'ils retournent vers eux donc ça c'est l'explication du verset ensuite le cheikh il dit et parmi les choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné également c'est de demander aux hommes de science puisque Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset dans le verset 43 dans surat al-Nahl et dans le verset 7 dans surat al-Anbiya fas'alu ahl al-dhikri in kuntum la ta'lamun demandez aux hommes de science si vous ne savez pas Ahl al-Dhikr qui est mentionné dans le verset c'est les hommes du rappel ou les gens du rappel hein? Et c'est-à-dire les hommes de science donc le cheikh il dit que dans ce verset là Allah nous ordonne de demander aux hommes de science et non pas à n'importe qui de demander aux gens qui ont du ilm donc il cite ensuite les paroles de l'imam du cheikh al-Sa'di dans son tafsir قال الشيخ السعدي هذه الآية عامة في كل مسألة من مسائل الدين وأصوله وفروعه إذا لم يكن عند الإنسان علم منها أن يسأل من يعلمها ففي الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم ففيه الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم ولم يأمر بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم التعليم والإجابة على علومه وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نهي عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلم ونهي له أن يتصدى لذلك الشيخ الزيسيك il cite les paroles de Cheikh al-Sa'di il dit dans ce verset il dit ce verset il est général pour toutes les questions qui ont rapport avec la religion que ce soit dans ses fondements ou dans ce qui en découle
parmi les branches de la religion. Il dit, si un homme n'a pas de science, il doit questionner celui qui connaît la religion. S'il n'a pas de science au sujet de la religion, il doit questionner celui qui connaît la religion. Et dans le fait yani, que Allah subhanahu wa ta'ala nous dise ça dans ce verset, c'est comme si en même temps il nous ordonnait d'apprendre et de questionner les hommes de science. Hein? Donc dans ce verset-là, il y a pour nous l'ordre et le commandement de demander la science et de questionner les hommes de science. Et yani, la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de leur demander ces questions-là, c'est uniquement parce que c'est une obligation pour eux d'enseigner et de répondre au sujet de ce qu'ils connaissent et de ce qu'ils savent de la religion. Donc c'est une obligation pour les savants de poser la question au sujet, de répondre aux questions qu'on leur pose au sujet de la religion. Et donc il dit, et dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié la question aux gens de science, aux hommes de science et aux hommes qui possèdent le zikr, ça implique en même temps le contraire. C'est-à-dire, lorsqu'il nous ordonne de questionner ou de poser des questions aux gens qui ont la science, ça implique l'interdiction de demander à ceux qui sont connus comme étant des gens qui sont dans l'ignorance ou qui n'ont pas de science. Donc, l'ordre d'une chose, c'est l'interdiction de son contraire. Ça, c'est une règle aussi dans la religion. Donc, si Allah nous ordonne de poser la question aux hommes de science, ça implique l'interdiction de demander à ceux qui n'ont pas de science. Et également, le cheikh dit que c'est une interdiction aussi de se mettre de l'avant dans ces choses-là pour répondre aux questions alors qu'on n'a pas de science. Et ça, c'est dans le tafsir, Taysir al-Aziz al-Rahman, à la page 519. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا عالما فشفاه منه وأوشك ألا تجدوه. ودونك الشيخ المنسيان دي parole de l'imam et du sahabi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui sont rapportés dans le livre de l'imam al-Bukhari, Sahih al-Bukhari. Et cette parole, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, l'un d'entre vous, il restera toujours dans le bien, hein, chacun d'entre vous restera toujours dans le bien tant qu'il craint Allah. Et si il y a un doute en lui-même, si quelqu'un a un doute en lui-même à propos de quelque chose, il demande à un homme qui a de la science, qui est savant, pour le guérir de cette chose-là. Et il se peut que vous ne le trouviez pas. Donc, le cheikh, il dit que ça, c'est une parole qui est apportée par l'imam al-Bukhari dans son sahih, et il a mis le mot « rajulan aliman », un homme de science, ou un homme qui a de la science, un homme savant, il a mis ça entre parenthèses, et il dit que l'ajout du mot « aliman », il l'a rapporté de l'imam al-Baghawi dans la Musnad de Ibn al-Ja'd. Donc c'est un ajout qui vient clarifier la signification de cette parole du sahabi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Donc il y a l'indication là-dedans que yani, on doit poser la question à un homme de science lorsqu'on a une question sur quelque chose dans la religion. On قال ابن عبد البر يلزم كل مؤمن ومؤمنا إذا جهل شيئا من دينه أن يسأل عنه. L'imam Ibn Abdul Barr, il dit que c'est obligatoire pour chaque croyant et croyante doit, lorsqu'il ignore quelque chose de sa religion, demander à son sujet. Et ça, c'est cité du livre qui s'appelle At-Tamhid, le volume 8 à la page 338. Et il dit ensuite, والعجب من بعض الناس أنه إذا احتاج إلى أمر من أمور الدنيا سأل عن أفضل الناس معرفة بذلك الشيء ولم يرضى بقول أي أحد وإذا أخبر
عن أكثر من واحد يتقن معرفة هذا الشيء سأل عن أفضلهم وأحسنهم فقدمه وعمل بقوله. أما في أمر من أمور الدين وشرع الله لم يبالي عن من أخذ ومن سأل ويعمل بقول أي أحد. وبعضهم لا يسأل أحدا أصلا. ولا شك أن هذا خطأ عظيم تنتج عنه الفتنة والضلال في الدين. Donc, le Cheikh il dit, qu'est-ce qui est étonnant? Cheikh Bazmoul il dit, qu'est-ce qui est étonnant? C'est que certains parmi les hommes aujourd'hui, lorsqu'il a besoin de quelque chose parmi les choses de la dunya, il va chercher les meilleures personnes, les gens qui ont la meilleure science, la meilleure connaissance dans le domaine, pour répondre à leurs questions. Et il ne va pas être satisfait de la parole de n'importe quel individu. Et lorsqu'on lui donne comme renseignement ou comme information qu'il y a plus qu'une personne dans le domaine qui maîtrise bien la question et qui peut répondre à sa question, comme par exemple, supposons en médecine, ou bien un ingénieur ou autre sujet, autre domaine, eh bien, si on lui donne plusieurs noms ou plusieurs personnes, il va demander lequel d'entre eux est le meilleur. Il veut savoir lequel d'entre eux est le meilleur et il le place de l'avant pour prendre son opinion et il va agir selon ce qu'il dit. Mais quand ça concerne les questions de la religion, si c'est une affaire parmi les affaires de la religion et de la législation et de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il ne fait même pas attention de qui il prend et à qui il demande. Il agit selon la parole de n'importe quel parmi ces individus-là. Et certains même ne vont même pas questionner ou ne vont même pas demander à la base. C'est-à-dire ils vont même pas retourner vers quiconque. Ils vont chercher d'eux-mêmes ou bien ils vont essayer d'agir selon leur propre opinion. Et il dit, il n'y a pas de doute que ça c'est une erreur incroyable, une énorme erreur. Et le résultat de ça, c'est que ça cause beaucoup de désordre, beaucoup de fitna et de l'égarement dans la religion. Le Cheikh il dit ensuite, قال ابن رجب يا لله العجب لو ادعى رجل معرفة صناعة من صنائع الدنيا ولم يعرف الناس بها ولا شاهدوا عنده آلاتها لكذبوه في دعواه ولم يأمنوه على أموالهم ولم يمكنوه أن يعمل فيها ما يدعيه من تلك الصناعة فكيف بمن يدعي معرفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وما شوهد قط يكتب علم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجالس أهله ولا يدارسه فلله العجب كيف يقبل أهل العقل ودعواه ويحكمونه في أديانهم يفسدها بدعواه الكاذبة. Donc le Cheikh il mentionne les paroles de l'imam Ibn Rajab dans son livre Al-Hukm al-Jadira bil-Ida'a. Il dit, l'imam Ibn Rajab il dit, subhanallah, il dit, c'est étonnant, il dit c'est étonnant comment un individu, si quelqu'un d'entre les hommes prétendait connaître une connaissance d'un métier ou d'une profession ou de quelque chose en particulier parmi les choses de la dunya, et que les gens ne le connaissent pas comme étant un spécialiste dans ce domaine-là, personne n'a témoigné qu'il possède les aptitudes et les outils nécessaires pour le faire, ils vont le démentir et ils vont traiter sa prétention de mensonge. Ils ne vont pas lui faire confiance dans leur bien ou dans ce qu'ils possèdent justement par rapport à cette chose qu'il prétend détenir comme aptitude ou comme travail, comme métier ou comme maîtrise ou des choses de ce genre. Et ils ne vont pas le laisser faire ou appliquer ou travailler selon ce qu'il prétend de ce métier-là ou de cette connaissance-là. Et supposons quelqu'un, il s'improvise, il dit « Moi, je peux réparer ta voiture ». Alors que personne n'a jamais remarqué que cet individu-là a étudié la mécanique
et personne ne l'a jamais vu non plus réparer quoi que ce soit des voitures, personne ne va lui donner sa voiture pour lui demander de jouer dedans pour réparer quoi que ce soit dedans, puisque personne ne va avoir confiance en cet individu-là. Donc, c'est un peu la même parole de qu'est-ce que justement le cheikh Ahmed Bazmoul était en train d'expliquer dans les paroles de l'imam Ibn Rajab. Il y a les mêmes propos. Donc, il dit, comment quelqu'un donc qui prétend connaître l'ordre du messager sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'on ne l'a jamais vu étudier et écrire la science du messager sallallahu alayhi wa sallam, on ne l'a jamais vu non plus assis dans les cours avec les hommes de science ou en train d'étudier cette science avec les hommes de science et avec les ulama, donc comment les gens qui possèdent la raison peuvent aller accepter. Il dit, ça c'est une chose étonnante. Il mentionne que ça c'est une chose qui est étonnante de la part de ces gens-là, de voir qu'ils acceptent n'importe qui quand c'est des questions de religion. Et il dit que des gens qui n'ont pas étudié, ils acceptent leurs prétentions de la science et ils le prennent comme juge dans les questions de leur religion et ils corrompent la religion avec leurs fausses prétentions, leurs prétentions mensongères. Donc ça c'est important, et surtout à notre époque aujourd'hui où n'importe qui se présente comme étant un docteur ou comme spécialiste. Et ça vous le remarquez surtout si vous êtes en Occident ici, puis vous regardez dans les médias par exemple ceux qu'on invite pour parler de religion. Lorsque par exemple des koufars par exemple vont inviter un invité pour parler d'un produit, dans un produit informatique ou n'importe quoi, dans la médecine ou autre, ils vont se référer aux plus grands spécialistes, ou à des médecins, des docteurs, des ingénieurs, des psychologues, des psychiatres, des gens qui connaissent leur domaine et qui maîtrisent ces questions-là. Maintenant, quand c'est des questions de l'islam et des religions, on voit ils vont inviter n'importe quel individu, même des gens qui n'ont aucune formation islamique, religieuse, et puis ils vont le faire parler. Et puis, même parfois, on voit que, qu'est-ce qu'on a remarqué, c'est qu'ils vont inviter des fois des gens qui ne sont pas musulmans, justement, et qui sont soi-disant spécialistes en islam, pour répondre à des questions sur l'islam. Et très rarement, ils vont se référer à des savants, ou jamais, presque même, ils vont se référer à des savants de l'islam. Donc ça, c'est bien entendu de leur part fait par exprès, puisque ce sont des kuffars. Mais qu'est-ce qui est étonnant encore plus, c'est de voir que parmi les musulmans, il y en a qui font la même chose que ça et même pire parfois. Allah al-musta'an. وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الأهواء والبدع. فعن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. Donc ici ensuite le cheikh il mentionne que le prophète صلى الله عليه وسلم a averti contre les gens de la passion et de la bid'a, les gens de l'innovation, et il cite les paroles de Aisha radiallahu anha qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné les versets dans surat Al-Imran. C'est le verset 7 dans surat Al-Imran au tout début de la surah. Elle a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ce verset, a récité ce verset. C'est un verset qui dit la signification suivante. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets qui sont muhkamat, c'est-à-dire qui sont
des versets qui sont clairs et explicites, hein, des versets qui sont clairs et explicites, qui ne peuvent être compris que d'une seule façon, qui sont clairs et qui sont la base du livre, et d'autres versets qui sont mutashabihat, c'est-à-dire elles peuvent avoir plusieurs significations, elles peuvent être interprétées de manière différente. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets qui mettent l'accent sur les versets qui peuvent avoir plusieurs interprétations en cherchant la dissension et en essayant de leur trouver une interprétation alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent « Nous y croyons. Tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. » Donc, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a récité ce verset. Puis Aïcha radiallahu anha a dit tout de suite après que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à la suite de ce verset: si tu vois, فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. Il a dit, si tu vois ceux qui suivent ce qui peut prêter à plusieurs interprétations, ce qui peut être compris de plusieurs façons, hein, ces gens-là ils suivent que ça, alors sache que ce sont ceux-là que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans ce verset-là, alors méfie-toi d'eux et fais attention, hein, fais attention à leur sujet, hein, fais attention à ces gens-là. Et ça c'est extrait de Sahih al-Bukhari et de Sahih Muslim. Donc ça c'est un verset franchement qui met en garde contre tous les gens de bid'ah, parce que c'est la méthode des gens de bid'ah de chercher uniquement les versets qui prêtent à équivoque, hein, et ceux qu'on peut interpréter de diverses manières, tandis que les versets qui sont clairs et explicites, ils les laissent de côté. Pourquoi? Parce que ça leur donne pas assez de marge pour jouer avec. Hein? Donc ils cherchent les versets qui prêtent à plusieurs interprétations. Et les ulama, comme ils ont expliqué, les ulama ont expliqué ça, ces versets-là, ils ont dit, les hommes de science par contre, eux, les gens qui sont sur la vérité, qui suivent la sunna, comment ils agissent vis-à-vis de ces versets-là qui sont les mutashabihat ou qui peuvent avoir plusieurs significations, c'est que pour les comprendre, ils ramènent ces versets-là aux muhkamat. Hein, ils les ramènent aux muhkamat pour les comprendre. Tandis que les gens de bid'a, eux, non, ils jouent avec. Et ils profitent du fait que les gens sont ignorants, justement, pour les tromper et pour les induire en erreur. Donc, ils vont mentionner des choses générales, hein, et ils vont les appliquer comme si c'était des choses spécifiques. Hein. Et ils ne vont pas expliquer aux gens que, justement, des fois, il y a des explications, il y a des détails ou il y a des conditions qui ne sont pas mentionnées. Hein, et donc, ils passent par-dessus ça. Ensuite, le cheikh, il mentionne les paroles de l'imam al-Nawawi, hein, à propos de ce hadith. Il dit, وَقَالَ النَّوَوِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ التَّحْذِيرُ مِنْ مُخَالَطَةَ أَهْلَ الزَّيْرِ وَأَهْلَ الْبِدَعِ وَمَنْ يَتَّبِعُ الْمُشْكِلَاتِ للفتنة فلا يجاب بل يزجر ويعذر. Qu'est-ce qu'il dit l'imam al-Nawawi? Il dit que dans ce hadith il y a l'avertissement contre le fait de rester avec les gens de déviation, hein? Donc de rester, de se tenir ou d'être mélangé avec les gens de la déviation et les gens de la bid'a, ahl al-zayri wa ahl al-bid'a. Et il dit donc que c'est un avertissement de ne pas se mélanger aux gens de déviation, aux gens d'innovation, de bid'a, et ceux qui suivent les choses qui n'ont pas une interprétation qui est spécifique ou claire, et ils font ça uniquement pour la fitna. Donc, ceux qui suivent ces choses-là qui peuvent avoir plusieurs interprétations, il dit on ne doit pas leur répondre
on ne doit pas leur répondre. Au contraire même, ils doivent être yani, punis, ceux-là. Yani, ceux qui appellent à ces choses-là et qui vont dans les bid'ah. Ils doivent être punis pour ces choses-là. Donc ça, c'est les paroles de l'imam al-Nawawi. Hein, et certains, justement, parmi les gens de bid'ah, yani, ils aiment essayer de détourner les gens, parfois des grands, des ulama qui sont connus comme étant des imams dans la sunna, et parfois ils essaient justement d'émettre des doutes ou des shubuhat, et justement ils n'aiment pas entendre ce genre de clarification et ce genre de paroles de l'imam al-Nawawi par exemple. Le cheikh il dit al-amr al-thani. Le deuxième point qui montre l'importance de prendre la science des ulama, il dit libaqa al-ilm rabban yultaqa min ahlihi wa manabi'ihi al-asila fa ta'khudhuhu kullu jama'atin an ahli al-ilm wa warasat al-anbiya fa law lam yu'khadh 'an al-ulama la dha'a al-ilm. Il dit que pour que cette science reste vivante, il faut qu'elle soit prise des hommes de science et de ses sources originelles. Hein? On doit prendre, donc chaque groupe doit prendre la science des hommes de science et des héritiers des prophètes. Et si la science n'est pas prise des ulama, eh bien la science va être perdue. قال أبو الدرداء ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون فتعلموا قبل أن يرفع العلم فإن رجع العلم فإن رجع فإن رفع فإن رفع فإن رفع العلم ذهاب العلماء. Donc ça c'est des paroles de Abu Darda qui est un parmi les Sahaba. Il dit, hein, comment se fait-il que je vois que vos ulama partent et que vos ignorants n'apprennent pas? Alors apprenez avant que la science soit enlevé ou relevé, car le fait, qu'est-ce qui représente en fait le fait que la science sera retirée ou enlevée, c'est la mort ou le départ des ulama. Hein? Donc lorsque les ulama partent, la science s'en va. C'est comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on va lire, inchallah dans quelques instants, on voit que qu'est-ce qui fait que la science disparaît? C'est pas que la science s'en va elle-même, comme ça elle disparaît du cœur des hommes, ou Allah l'arrache des hommes. Non, c'est le fait que les ulama meurent et qu'on n'a pas profité de leur science, on n'a pas profité de leur ilm. Il dit wa qala Abdullah ibn Ubayd, ça c'est cette parole en passant, c'est extrait des paroles de Waqi' dans Az-Zuhd et de Abu Daoud dans Az-Zuhd également. Ensuite, il mentionne les paroles de Ubayd ibn Umayr. Il dit que in al-ulama idha adrakahum al-muta'allimun fani al-ulama wa baqi al-ilm ghaddan 'inda al-mu'allimin fa idha lam yudrikhum al-muta'allimun dhahaba al-ilm. Donc ça c'est rapporté par l'imam al-Bukhari dans par l'imam al-Bayhaqi dans al-Madkhal, hein, al-Madkhal ila Sunan al-Kubra. Donc ça c'est une parole de Abdullah ibn Ubayd ibn Umayr. Il dit que donc c'est une parole en résumé qui incite à apprendre la science des ulama, parce que sinon la science elle part, elle disparaît. Donc ça c'est le deuxième point, et ça c'est la vérité, et ça c'est le vrai. Qu'est-ce que le cheikh Bazmoul a mentionné dans ce point-là, c'est très important de le comprendre, et je l'ai constaté moi-même, parce que le mois passé j'étais en Arabie Saoudite et je suis allé faire 3 semaines. Donc alhamdoulilah, j'ai pu faire la Umrah et en même temps j'en ai profité pour assister à plusieurs durous et aller visiter certains parmi les shuyukh et les ulama. Donc ça a été très bénéfique, et ça faisait 10 ans que je n'étais pas retourné sur les lieux saints. Donc ça faisait longtemps en fait que j'étais pas retourné, donc ça m'a fait beaucoup de bien. Mais en même temps aussi
quand je suis parti là-bas, donc j'ai pu constater qu'en 10 ans, beaucoup de choses ont changé et que certains parmi les ulama avec lesquels j'avais pris des cours à l'époque, eh bien, aujourd'hui, ils ont beaucoup changé eux aussi. Ils ont pris dans leur âge, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala leur prolonge leur vie et que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que leur science reste longtemps avec nous et qu'on puisse en profiter encore longtemps. Hein, mais j'ai remarqué quand même que plusieurs d'entre eux ont pris de l'âge et donc quand on voit ça, on réfléchit justement à ce genre d'exemple que le Cheikh Bazmoul a mentionné, du fait que il faut profiter de prendre la science des hommes de science justement avant qu'ils meurent. Hein. Et les jours où j'étais à Médine, à Al-Madina, j'ai assisté quelques fois à des durus du Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad justement, qui terminait Sunan Ibn Majah. Et j'ai appris dernièrement qu'il a terminé justement Ibn Majah. Donc ça lui a pris 20 ans pour compléter Al-Kutub al-Sitta. Al-Kutub al-Sitta, c'est quoi? C'est les 6 livres des Sunan les plus connus, hein, les plus authentiques. Et c'est Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Après, il a fait Sunan al-Nasa'i. Après, il a fait Sunan Abi Daoud. Après, il a fait Nasa'i, Abu Daoud, At-Tirmizi, et ensuite il a fait Ibn Majah. Donc ça, c'est les 6 livres qu'il a expliqué pendant 20 ans. Hein. Donc c'est un travail énorme qu'il a accompli, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala accepte ce travail de ce noble Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, et qu'il le mette dans la balance de ses œuvres au jour de la résurrection, de ses bonnes œuvres, et qu'il nous fasse profiter de lui encore longtemps. Mais justement, je me souviens encore quand je l'avais vu la première fois, ça fait de ça 15 ans. On voit en 15 ans comment le Cheikh, maintenant il a pris de l'âge, donc il faut profiter de ces hommes-là. Il faut profiter de ces hommes-là parce qu'on ne sait pas encore combien de temps ils vont être parmi nous. Hein? Le Cheikh, il mentionne aussi parmi le point numéro 3, إِنَّ الْعِلْمَ إِذَا لَمْ يُؤْخَذْ مِنْ أَهْلِهِ رُفِعَ مِنَ الْأَرْضِ لِأَنَّ الْعُلَمَاء بِبَقَائِهِمْ بَقَاءُ الْعِلْمِ فَإِذَا لَمْ يُؤْخَذْ الْعِلْمُ مِنْهُمْ وَمَاتُوا قُبِضَ الْعِلْمُ وَلَا يَنْفَعُ بِبَقَاءِ أَوْ لَا يَنْفَعُ بَقَاءَ الْكُتُبِ. Le point numéro 3, c'est le suivant, c'est que la science, si elle n'est pas prise des hommes de science, elle va être enlevée de la terre. Hein? Parce que les ulama, c'est par eux que la science demeure sur la terre. C'est par les ulama que la science demeure sur la terre. Et si on ne prend pas la science des ulama et qu'ils meurent, alors la science, elle part avec eux. Et le fait que les livres restent ne servira à rien. Hein? À quoi servent des livres sans les ulama? Les livres à eux seuls ne servent à rien. Hein, si on n'a pas des ulama pour nous les clarifier. Donc le Cheikh, il mentionne ce hadith ici. Il dit wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As qal sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min an-nas walakin yaqbidu al-ilma biqabd al-ulama حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وقال ابن عباس هل تدرون ما ذهاب العلم قلنا لا قال ذهاب العلماء. Donc ici le Cheikh, il mentionne le hadith qui est rapporté selon Abdullah ibn Amr ibn al-As. Il dit j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit Allah subhanahu wa ta'ala n'enlève pas la science en la retirant des hommes, mais il enlève la science en enlevant les ulama,
c'est-à-dire par la mort des ulama, jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul savant. Les hommes prennent alors comme chef des ignorants. Et ils leur posent des questions et ils donnent des fatwas, des verdicts religieux, sans science. Alors ils s'égarent eux-mêmes et ils égarent avec eux les autres. Et ça, c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ça, c'est donc quelque chose de sérieux et de grave, et c'est un des signes de la fin des temps. Le Cheikh, il dit, « وقال ابن عباس, hein, Abdullah ibn Abbas, il a dit, « Est-ce que vous savez ce que signifie le départ de la science ?» Et les gens ont dit non. Alors il a dit, « C'est le départ des ulama, c'est-à-dire la mort des ulama. » Ça, c'est rapporté dans la Musnad par l'imam Ahmad et Abu Khaythama dans son livre Al-Ilm. Et le Cheikh, il dit, ووجه كون العلم يقبض بقبض العلماء أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم والعلماء يخلفون النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الحق لأنهم ورثة الأنبياء فإذا قبض العلماء وبقي الناس بلا عالم فمن يبين لهم دينهم والأمم السابقة كانت أنبياؤهم تسوسهم نبي خلف نبيا تسوسهم نبي يخلف نبيا. Donc il dit que le point pour comprendre, lorsqu'on dit que le fait que les savants meurent, que ça c'est le départ de la science, ou que le départ de la science ça signifie la mort des ulama, pourquoi? Parce que il n'y aura pas de prophète après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et les ulama, c'est eux qui succèdent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les successeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la clarification de la vérité, parce qu'ils sont les héritiers des prophètes. Et lorsque les ulama meurent et que les hommes restent sans savants, alors qui va leur clarifier leur religion, hein? Il dit que les peuples précédents, eh bien, eux, ils avaient des prophètes qui leur étaient envoyés et ils étaient dirigés par leurs prophètes, hein? Comme Bani Israël, par exemple. Chaque fois qu'un prophète mourait, il y en avait un autre qui leur venait. Hein? Donc, tandis que notre Ummah, ce n'est pas le cas. On n'a plus de prophète après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il dit que les peuples précédemment, ils étaient dirigés par leurs prophètes, ça c'est tiré d'un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans son Sahih, selon Abi Huraira, qui mentionne que Bani Israël, ils étaient dirigés par leurs prophètes. Et chaque fois qu'un prophète mourait, il y en a un autre qui venait le remplacer. Ensuite, il y a le point numéro 4. Le point numéro 4, anna biqabd al-ilm yadhharu al-jahl wal-fitan wal-qatl. Il dit, par le fait que la science est retirée, est enlevée, il y a l'apparition de l'ignorance, des tribulations et des meurtres. Hein, des meurtres, c'est-à-dire des gens qui sont tués. Et il mentionne justement les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là. Fa'an Abi Huraira, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج قيل يا رسول الله وما الهرج قال هكذا بيده وحرفها كأنه يريد القتل. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est que Abu Huraira رضي الله عنه a rapporté que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, la science sera enlevée et l'ignorance apparaîtra. Et l'ignorance apparaîtra de même que les tribulations, les fitan, les problèmes, hein, et il y aura beaucoup de haraj. Les compagnons ont demandé au messager d'Allah, ô messager d'Allah, qu'est-ce que al-haraj, qu'est-ce que ça signifie? Alors, il a fait un geste avec sa main, hein, il a bougé sa main en voulant dire, hein, comme s'il voulait dire, le meurtre. Qu'il y aura beaucoup de meurtres. Donc, ça, c'est qu'est-ce qui vient avec l'ignorance. Et le Cheikh dit, وَسَأَلَ هِلَالِ ibn خَبَّابِ أَبُو الْعَلَى سَأَلَ هِلَالِ ibn خَبَّابِ
Abu al-Ala, Sa'id ibn Jubayr, ما علامة الساعة وهلاك الناس فقال إذا ذهب علماؤكم. Donc Hilal ibn Khabab Abu al-Ala, il a demandé à Saïd ibn Jubayr quel est le signe de l'heure et de la perte des hommes, et il a répondu c'est le départ des ulama, la mort des ulama. Ça c'est rapporté par Ibn Abi Shayba dans Al-Musannaf. الأمر الخامس أن الناس je sais pas si j'ai le temps de oh oui non bon on va lire ce point là puis on va terminer avec inshallah on va s'arrêter ici je crois on va s'arrêter ici inshallah puis on continuera la suite demain biiznillah comme ça on va avoir plus de temps pour clarifié بإذن الله. طيب. Donc on a terminé aujourd'hui le premier cours et donc inchallah vous allez voir que au fur et à mesure qu'on va avancer dans ce livre, vous allez apprendre inchallah en même temps que moi beaucoup de choses très très bénéfiques et très importantes surtout à notre époque inchallah. Donc on s'arrête ici. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.